Bonsoir, chers amis. Nous sommes à Nice Fiction, Nice Fiction Reboot, Nice Fiction 2.0. Et nous sommes sur la quasi dernière table ronde de ce festival avec une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Les artistes sont-ils joueurs ou joueuses? Et comment on va mettre en rapport l'art, la création, la créativité et le jeu, l'amour du jeu, l'amour du risque? Et le hasard que je vais symboliser ce soir par ce petit dé rouge D6 qui va nous accompagner et qui va rythmer le rythme, qui va accompagner le rythme de mes questions. Alors, pour discuter des rapports entre l'art et le jeu, nous avons trois personnes absolument incontournables en la matière. Alors, je vais commencer tout d'abord par l'Alex. L'Alex Andrea, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Tu es déjà intervenu à Nice Fiction, même dans cette édition, hein, il me semble. Hein, tu as déjà eu plusieurs interventions. Alors, tu es créatrice, tu es peintre, tu es auteur, tu as créé un site qui s'appelle Feuilles de Velours, tu crées beaucoup de choses et notamment tu vas nous parler du jeu que tu as créé qui s'appelle Prosperia. Et je suis ravi d'entendre le lien que tu vas nous donner entre le plaisir du jeu et le plaisir de la création. Voilà, il est là, super. Je profiterai d'ailleurs pour dire que j'y joue régulièrement, hein, sache-le. Ensuite, nous avons Paul Blanchot, qui est un wargamer, qui est un web designer aussi, qui est un créateur de jeux, qui est un auteur évidemment également, et qui va aussi nous parler du rapport qu'il a entre l'écriture et le jeu, et peut-être avec quelques surprises. Alors, on dit que ceux qui font du jeu de rôle sont des rôlistes, ceux qui font du jeu de plateau sont des platistes, et ceux qui aiment le wargame, pour moi, ce sont des militaristes. Tu es d'accord, Paul? Allez, on prend ça. C'est ironique évidemment, et puis venant de quelqu'un dont le grand-père était général, c'est à prendre évidemment au second degré. Et puis, nous avons Olivier Sanfilippo, mon Olivier. Voilà Salut notre Hugo. ami fidèle. Salut Olivier, créateur de jeux, artiste, qui a l'une des plus belles expositions virtuelles de cette édition de Nice Fiction, créateur de l'Empire des Cerisiers. Un jeu qui, pour tout un tas de raisons, a marqué l'histoire d'ores et déjà du jeu de rôle en France. Et j'écoutais avec grand plaisir la rencontre avec toi tout à l'heure où tu expliquais toutes les étapes de la création du jeu. Donc toi aussi, tu vas nous dire, j'imagine, les rapports qu'il y a entre la créativité et le jeu. Alors j'ai préparé des questions et donc je vais lancer le dé au hasard. Il est là, vous voyez, vous allez l'entendre rouler. 5. Alors, question 5, attention, j'ai préparé des questions. Alors, question 5 à tous les trois. Est-il possible de jouer, c'est-à-dire est-il possible de s'amuser, évidemment, en créant? Est-ce que lorsque vous créez vos univers, est-ce que vous le faites en vous amusant ou est-ce qu'il y a une sorte de sérieux mortel qui s'installe dans la gravité même de l'acte de création? Alors, peut-on s'amuser, peut-on jouer en créant? Qui veut répondre dans son domaine hein, en premier? Allez, l'Alex, je t'écoute. Alors, évidemment que je m'amuse. Si moi je m'amuse pas quand je crée, que ça soit en peinture, en dessin, en écriture ou en jeu, je me dis que les gens ils prendront pas de plaisir derrière. Et puis c'est mon moteur en plus interne. Ma créativité, elle se nourrit énormément de ma joie. Si je prends pas de plaisir, si j'ai pas de joie à faire ce que je fais, en général, le résultat, il va pas être génial. Donc D'accord, pour moi, donc c'est une évidence. toi c'est une évidence. Ok, Paul. Alors, moi, je vais peut-être un peu vous décevoir. Je suis un rêveur et j'ai toujours été très rêveur. Et en fait, quand je crée, je disparais. En fait. Je sais pas, là par exemple, je suis en train de dessiner un jeu qui se passe dans une ville. Donc, je commence à faire mes gratte-ciel, à voir comment il va y avoir des décors, des éléments par où le personnage va passer. Et je suis parti, je suis dedans. Je disparais en fait. Voilà, je voyage dans d'autres univers. Alors, oui, c'est un jeu aussi, c'est une façon de jouer. C'est peut-être un petit peu sérieux aussi, parce que les heures passent très vite. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui est passionnant, donc je m'arrêterai pas.
D'accord, donc c'est pas un amusement, c'est tu disparais, donc tu, alors on peut s'amuser et disparaître aussi, hein. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle, attends, c'est un jeu qui est pas très connu. Je crois que c'est jouer à cache-cache. Je crois que c'est ça, mais C'est ça. je suis pas sûr. Et on peut disparaître aussi dans l'exaltation du jeu. Alice au Pays des Merveilles en sait quelque chose et on pourrait citer d'autres exemples. Alors tu parles quand même des jeux sérieux, Paul. Je reste quelques minutes avec toi. Oui, Cette notion de serious games que tu connais, hein, je ouais. pense, comment tu l'envisages? Alors, est-ce que tous les jeux sont sérieux? Est-ce que ces serious games sont un moyen de lier la créativité et l'art, de façon plus, peut-être plus étroite? Alors, en fait, le serious game, justement, c'est viser à apporter autre chose que du sérieux. D'accord. Puisqu'en fait, apprendre quelque chose à quelqu'un, ça a été pendant très longtemps très carré, très, très dogmatique. Et le but du jeu, justement, c'est de faire ça, sortir de ça. Donc, rajouter une petite histoire. Par exemple, j'avais fait un jeu où il y avait un acteur qui devait jouer un rôle. Et il faut l'aider, parce qu'il ne connaît pas du tout l'univers, c'est pour des malades qui ont une maladie. Et il fallait apprendre à cet acteur qu'est-ce que c'est que de vivre cette maladie. Et le fait de s'impliquer dans ce personnage qu'on avait guidé dans le jeu, en fait, eh ben, ça permet, normalement, au malade, c'est ce qu'on vise, nous, quand on crée le Serious Game, à la fois à la personne qui joue et au malade, de s'affranchir de son univers. Donc c'est pareil, c'est de le prendre par la main et de l'emporter rêver, c'est ce que je disais juste avant. D'accord, très bien. Ok, on reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur les serious games. Alors Olivier, toi, est-ce que tu t'amuses en créant? Est-ce que quand tu peins, quand tu inventes des jeux, est-ce que c'est la jouissance de l'amusement qui te porte ou au contraire, est-ce que c'est très sérieux, très réfléchi, Non, très c'est alors cadré? il y a du sérieux parce que c'est le travail et que enfin pour la partie travail en tout cas, mais ça c'est plus un sérieux dans la manière de faire. Mais après moi je m'amuse en fait de toute manière mon boulot et ma créativité sont intrinsèquement liés avec ma passion du jeu en fait. Hein. Moi si je suis resté principalement dans le milieu du jeu de rôle en tant qu'illustrateur, cartographe et maintenant auteur, c'est parce que je veux rester dans ce milieu. C'est par choix vraiment. Donc forcément, quand je crée, je joue. Je joue, je me balade, comme il disait Paul, ou je suis dans la position d'un joueur, ou j'écris en réfléchissant comme j'aimerais avoir en tant que joueur. Ouais, je m'amuse clairement. Il faut, hein, je pense. Il faut rester, je pense qu'il faut garder l'amusement hein, en toute hypothèse lorsqu'on crée. C'est vrai qu'il y a des phases où on est un peu parfois dans le doute, hein, dans l'hésitation, dans le temps qui passe. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand même de garder en tout temps l'amusement. Et d'ailleurs, pour revenir sur les serious games, je pense pas qu'on puisse apprendre quoi que ce soit si on ne s'amuse pas en le faisant et si on n'a C'est pas clair. la passion de ce que l'on fait. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi. Mais malheureusement, je crois que comme vous, je fais partie des gens qui ne peuvent apprendre que ce qui les amuse ou ce qui les divertit. Ok, allez, question suivante. Je fais rouler le dé. Question numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Question numéro 1. Échec. Quel a été, numéro 1, c'est un coup critique. Quel a été dans votre enfance, le jeu qui vous a le plus, auquel peut-être vous avez le plus joué? Alors c'est peut-être un jeu de cartes ennuyeux que vos parents vous obligeaient à emporter en vacances, mais quel est le jeu, je dirais, qui vous a le plus marqué quand vous étiez petit? Parce que vous savez que tout commence à l'enfance. Et donc quel est le jeu de plateau, peut-être un jeu de rôle, ça sera difficile parce que l'apparition des jeux de rôle en France, c'était il n'y a pas quand même, enfin comme dans les années 80 en tout cas, mais quel est le jeu qui vous a le plus marqué quand vous étiez petit ou petite? L'Alex. Ou Olivier ou Paul, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de Bah en protocole. fait, j'allais parler de jeux de rôle. Ouais. Parce que je me souviendrai toujours, lorsque j'avais une douzaine d'années, de Ouais. ma première boîte de Donjons et Dragons, la boîte rouge avec les dés en plastique bleu gris. Ouais. Et je suis tombée là-dedans. Alors, c'était jeu de société avec mon petit frère, on jouait à pas mal de jeux de société. Mais alors, le jeu de rôle, ça a été une révélation pour moi parce que là, mon imagination pouvait s'éclater là-dedans. Et à 12 ans, je parlais anglais, pas du tout. Mais c'est assez drôle en fait avec le recul de se dire que ben, en fait, j'arrivais quand même à me débrouiller avec les illustrations, avec les tables. Et puis finalement,
c'était plus facile une fois qu'il y a eu L'Œil Noir qui est sorti en français. Ouais, L'Œil Mais Noir, en bien tout cas, sûr. cette boîte rouge de Donjons et Dragons, ça c'est un truc marquant. Et ouais, j'avais à peu près une douzaine d'années, je pense. D'accord, la boîte rouge de Donjons et Dragons, Je moi ne aussi suis c'est un jamais souvenir revenue. très marquant, très marquant. Et L'Œil Noir aussi, hein, moi je me rappelle, hein, l'Alex, L'Œil Noir quand il est sorti, j'étais fou. Donc c'est le jeu de rôle, toi, qui t'a vraiment marqué quand tu étais petite. Alors, Paul ou Olivier, à vous. Allez, Allez, moi en Olivier. fait, c'est un ensemble. J'ai pas, on va dire, je vais rester monomaniaque dans le jeu de rôle, mais c'est pas. Alors, j'ai vraiment un exemple quand j'ai découvert le jeu de rôle pour la première fois, mais j'ai appris en fait réellement 3 ans, 3, 4 ans après que c'était du jeu de rôle que j'avais fait. Donc voilà, c'était en colonie de vacances. On a un animateur donc qui nous a proposé une partie de jeu de rôle. C'était Donjons et Dragons. Je Ouais. savais même pas. C'est pareil. J'ai appris 4 ans et demi après comment s'appelait le jeu auquel j'avais joué. D'ailleurs, j'avais une anecdote. C'était les orques. Donc vous Ouais. avez décrit les orques avec des grands crocs massifs et tout. Et pour moi, en fait, dans ma tête, pendant 4 ans, c'est resté en fait des rorquals, enfin des sortes de rorquals humains en fait. Ouais, Donc ils ont avec mis des des têtes têtes. de des polars, Très etc., bon. jusqu'à ce que je découvre ce que c'était des orques en fait. Et en fait, en parallèle à ça, j'ai toujours, je crois, fait du jeu de rôle, que ce soit avec mes Playmobil, avec mes Lego, m'inventer des univers et jouer dedans des personnages, tout seul, avec mon petit frère. Et après, quand je suis arrivé dans un village, avec la liberté que ça avait, c'était des grands jeux, comme on peut dire. Les chasses aux loups, enfin, tous ces cache-cache géants où on jouait, on poussait souvent à interpréter des rôles là-dedans. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu besoin de m'imaginer des rôles à jouer et autres. Et que, ouais, en fait, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué, c'est ces jeux-là où j'interprétais. T'interpréter. Ouais. Finalement, le jeu de rôle, donc, quand même le point commun à tous les deux. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, finalement. Hein, Non. ce qui nous marque dans l'enfance continue à nous porter. Alors, Paul, est-ce que quand tu étais petit, tu jouais aux petits soldats? Est-ce qu'il y avait des petites batailles de petits soldats dans la cour, dans là où tu vivais, là où tu habitais, je ne sais pas. Eh ben écoute, on faisait ça en fait avec des Lego. Ah C'est-à-dire que oui. j'avais le bateau de pirate qui tu pouvais mettre un petit Lego dans le canon et en fait tu tires en arrière, tu pouvais lancer ton boulet de canon. Et Ouais. un ou 2 ans après que j'ai eu le mien, mon frère a eu le sien. Et donc voilà, on avait chacun son bateau, on se mitraillait de coups de canon et on inventait les petites histoires. C'est-à-dire chacun avait soit un fusil, soit un pistolet. Et puis on disait, voilà, un tel, est-ce qu'il avait réussi à toucher un autre? Ouais, on était déjà parti dans les jeux de figurines, tout ça. Mais c'est plein des bons souvenirs parce qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de choses comme ça. Et c'est juste pareil, l'imaginaire qui prenait toute la place sur un bout de lino par terre, ça devenait les mers et les bateaux. Ouais, pratiquement Pirates des Caraïbes, quoi, 20 ans avant. D'accord. Et c'était où exactement? Comment vous vous installiez Ben, c'était vraiment ça, c'était un bout de lino où on avait comment dire, on avait chacun notre bateau. Quand tu avais ton bateau, tu avais aussi un petit canoë qui était derrière. Puis tu pouvais acheter l'île comment dire, l'île des gentils, c'est un peu des militaires, des trucs comme ça. Ils avaient une petite tour et un truc comme ça. Donc, honnêtement, même dans ces années-là, parce que c'est il y a presque 30 ans, les Lego, c'est déjà des choses qui nous étaient partagées dans des univers. Maintenant, bon, voilà, je suis passé à l'étoile noire en Lego et ce genre de choses, hein, mais c'était déjà bien à l'époque. Bon, et vous êtes resté fidèle au jeu de votre enfance, hein, d'une certaine façon. Alors maintenant, C'est la ça. question qui vient, je ne vais pas la laisser au hasard parce que je ne veux pas risquer qu'on n'ait pas le temps de l'explorer. Vous êtes tous les trois des créateurs, vous êtes tous les trois des créateurs et des créatrices de jeux également. Et donc maintenant que je vous ai fait revenir un petit peu vers votre enfance, j'ai envie de vous demander comment vous avez basculé vers la création de jeux. C'est-à-dire quel a été l'élément déclencheur? Et j'aimerais bien que vous nous donniez cette petite confession, cette petite confidence entre guillemets. C'est comment vous êtes arrivé à vous dire maintenant j'ai envie de créer mon propre jeu. J'ai envie de donner naissance à un jeu, alors qu'au départ, on est plutôt dans le mimétisme. Moi, par exemple, en tant qu'auteur, j'ai toujours commencé à écrire à la manière d'eux, et puis après, on a envie d'écrire à sa propre manière. Quel a été l'élément déclencheur et comment vous avez basculé du côté du joueur vers le côté du créateur ou de la créatrice de jeu?
Alors, qui veut commencer? Alors, je sais qu'Olivier, tu en as déjà parlé sur l'Empire des Cerisiers, évidemment, mais tu peux peut-être nous donner quelque chose que tu n'as pas dit dans ta rencontre sur ça, Alors, cette c'est des en fait, création. bah, que j'ai pas dit en fait. Moi, c'est vraiment ça. En fait, ça a été moi, c'est le coup du hasard. En fait, je veux dire, le créateur en tant que en tout cas publié et un produit fini et autres. Par contre, créer des bouts d'univers, des bouts de système, la création de jeux de rôle notamment, je l'ai toujours fait en fait. J'ai plein de fichiers entamés, enfin des jamais finis sur mon disque dur d'univers, de système. J'ai des notes qui traînent des piles dans des fonds de carton qui ont pris la poussière de bouts d'univers et de bouts de jeu en fait. Et je crois que j'ai jamais eu le, comment dire, j'avais un peu peur de, pas forcément la confiance, de sauter le pas en fait et de se dire je vais faire mon jeu. Alors j'avais faire une aide de jeu, on avait fait avec Aldo notamment, Sundamizumura, mais Aldo c'était quand même Papacoda, ouais. dans l'univers, dans le jeu de quelqu'un d'autre en fait. J'avais envie forcément de développer mon univers. Mais je m'étais pas dit j'allais en faire un jeu, vraiment en fait. Et du coup c'est l'aspect créé, enfin comment dire, j'ai sauté le pas malgré moi et en fait et heureusement et ça a été chouette quoi, voilà. Ok, et en fait, une fois que ce pas a été sauté, tu t'es laissé entraîner dans toutes les implications qu'il y avait dans la création de ce jeu. C'est ce que tu disais dans ta Ouais. rencontre. Et puis tu l'as pas créé tout Ouais. seul finalement. Tu as été bien entouré aussi. C'est un Bah travail je pense que d'équipe enfin. finalement. Il y a une poignée d'auteurs qui arrivent à créer tout de A à Z. Je me considère pas comme un game designer en fait. Voilà. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à jouer, j'ai des choses à faire jouer. Mais comment dire, ouais, je me considère pas comme un game designer. Comme je me considère pas non plus comme un écrivain. Hein, voilà, j'ai créé un univers et je le partage en fait. C'est un bout de moi, hein, vraiment. Hein. Et c'est pas étonnant aussi que ça soit passé d'abord par le biais graphique en fait, avant qui m'a permis de sauter le pas pour le biais écrit en fait, pour Oui, c'est la ça. partie écrite. D'abord les images, la création picturale, et puis ensuite t'es arrivé, comme tu le disais dans ta rencontre, aux règles, etc. Paul, en tant que game designer, alors comment ça s'est passé? Comment la bascule s'est faite? Et ben moi, c'est le problème en fait. Quand j'étais au collège, au CDI, ils avaient des livres pas sortables qu'ils n'auraient pas dû nous mettre entre les mains. Genre des livres dont vous êtes le héros, par Ah exemple. ouais. Le livre dont vous êtes le héros. Donc j'ai lu tout ce qu'il y avait au CDI et en fait, mes parents, ils ne connaissaient pas et donc ils ne me laissaient pas en acheter. Donc je lisais d'autres choses à un côté, c'est pas le problème. Mais j'ai commencé voilà, à prendre mes feuilles de papier, à écrire livre dont vous êtes l'héros. Donc, en gros, dans un livre, tu as à peu près 400 chapitres. Et là, bon, en 5-6 ans, j'étais monté à peu près à 2000 chapitres. Voilà, donc, j'avais. Voilà, c'est pendant l'adolescence. Et puis après, à la fin de mon collège, j'ai découvert Stephen King. Donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles, ce genre de choses. Puis en parallèle à tout ça, il y avait le Master System qui était sorti, puis d'autres consoles de Sega, la Saturn, la Dreamcast ensuite. Et donc j'ai plus été écrivain jusque vers, je sais pas, 20, 25-30 ans. Et après, en fait, j'ai eu l'opportunité, puisque on est tombé dans la crise de 2008, là, qui se passait, qui ne permettait pas de trouver du travail, de refaire des études. Et là, donc, j'ai fait le master MapImage à Cannes. Donc, c'est un master de l'université de Nice qui prépare au management dans les jeux vidéo et qui permet également aux étudiants, parce qu'on a des projets spécifiques, tout ça, où chaque étudiant fait une petite partie de chaque projet. Donc, il y en a qui programment, il y en a qui font du son, il y en a qui dessinent. Et moi, j'ai pu faire, ça m'a permis de faire du game design. Même si j'avais continué à faire des jeux de mon côté sans demander à personne. Voilà. Ok, donc très bien, merci pour ces confessions. Alors, on est dans les confessions, l'Alex. Alors, comment tu es devenue créatrice de jeux? Toi qui avais déjà tant de cordes à ton arc, comment tu as basculé? On parle de Prosperia, évidemment. Alors, en fait, il y a eu deux processus complètement différents. Celui qui sort chez un éditeur en octobre, l'école de Nicolas Flamel, en fait, je l'ai créé il y a 14 ans, lors d'une Ah panne oui. d'électricité. Ah, vive En les pannes fait, on s'est d'électricité. retrouvé avec une Pas panne maintenant, pas maintenant. d'électricité, plus d'ordinateur,
Donc, je ne pouvais plus faire mes colos, parce qu'à l'époque, j'étais illustratrice à plein temps pour l'édition. Donc, plus d'ordinateur, plus possible de bosser. Et donc, à la bougie dans le salon avec mon mari, je lui ai dit, écoute, eh ben, j'ai envie de créer un jeu de société. En fait, on voulait à un moment jouer à un jeu de société à la bougie. Puis, je lui ai dit, et si, pourquoi ne pas plutôt en créer un? Et donc, on est parti comme ça, en mode, on va inventer un jeu. Et puis, moi, je me suis prise beaucoup plus au sérieux que lui. Puisque derrière, je l'ai continué, je l'ai travaillé, j'en ai fait un proto, je l'ai présenté à des concours. J'ai fait un financement participatif pour trouver une illustratrice, parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, en tout cas à l'époque. Et j'arrivais pas à l'illustrer moi-même. Bref, sacrée aventure pour arriver 14 ans après avoir trouvé un éditeur. Beau Et le parcours. deuxième Prosperia, le jeu de cartes que j'ai là, là, c'est Tu nous vraiment le parti d'un montres? besoin. C'est-à-dire Montre-le-nous. que mon métier, à côté du côté artiste et créatrice, voilà, donc Prosperia, en fait, côté verso, ça ressemble à ça. Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai intégralement illustré et écrit, évidemment. En fait, j'avais besoin de cet outil en tant que dynamisatrice, puisque j'accompagne les gens à l'épanouissement. Et je voulais un jeu qui soit un peu ludique, un peu sympa, avec des cartes à tirer. Et la seule chose qui existait dans le commerce, c'est des choses qui sont spirituelles ou ésotériques. Et moi, j'interviens en entreprise et c'était juste pas possible. Donc, je me suis dit, puisque ça n'existe pas et que j'ai toutes les compétences, j'écris, j'illustre, je suis aussi maquettiste. Donc, allons-y, je vais créer l'outil qui me manque, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Prosperia. Donc Prosperia, il est né donc l'année dernière, hein, c'est ça? Il venait d'être terminé l'année dernière. Et donc alors, est-ce que tu peux nous C'est faire jouer à ça. Prosperia? On peut faire une partie rapidement? On peut tirer une carte chacun de nous, non? À travers le réseau Bien là, sûr. j'imagine. Hein, on va faire ça. Vas-y. Alors tu nous En fait, si présentes je les les avance. cartes. Voilà. Alors, tiens, Olivier, vas-y, Vous me choisis une dites stop. carte. Voilà, vas-y, Allez, Olivier. hop, stop. On doit avoir un petit Là. décalage avec l'Alex. OK. Ouais. Alors, tu tombes sur. Je ne sais pas si ça va se voir. Non, Alors, un moi, je petit suis peu en sur la tout gauche. petit, Petit, petit. voilà, Ouais, tout petit, voilà. petit. Ah oui. Oh là là Hop, là là. pour le Attention, destin. Olivier. Présent, Alors. passé, profitez du moment présent. Profitez du moment présent. Posez-vous et vivez Profitez du pleinement moment l'instant présent. présent. Donc, je te Libérez-vous lis, du ce sera plus décalage. simple. Vas-y, lis-le. Posez-vous et vivez pleinement l'instant présent. Libérez-vous du décalage temporel. Votre regard ne porte que sur le passé ou le futur. Demain se construit aujourd'hui. Tadam! Donc tu as compris, si tu peux être un peu plus concentré sur cette table ronde, Olivier, j'apprécierais assez, merci. Promis, allez. Ça y est, je suis opérationnel, c'est bon. Voilà. Arrête de penser. Merci, Tiens, Alex. d'ailleurs, allez, on recommence pour Paul. Vas-y. Paul, tu diras stop. Vas-y, stop. Stop, c'est bon. Ah. Donc, Beaucoup de le suspense dans dessin, ton jeu, hein. j'attends que ça. Voilà, l'espace, c'est moi. C'est ma Magnifique. connexion qui crée le suspense. N'est-ce pas? Alors, Et qu'est-ce qu'elle dit, donc, cette carte? Se alors je ne sais sentir pas si du coup tu vois le capable ou texte. digne. Je vois que je rame Soyez énormément au bienveillant niveau de et... ma connexion. Ouais. Oui, Soyez bienveillant on voit. avec vous-même, avec un regard toujours Capable ou encourageant. digne? Sentez-vous à la hauteur. Voilà. Est-ce que tu te sens à la hauteur de tes futurs projets de game design, Paul? J'ai du mal, ils sont compliqués, mais Est-ce que vous on voulez va se donner les appliquer? moyens. Voilà. C'est la carte pour moi, ça. Ça Ah, tu m'encourage à vois? Eh. continuer. Donc, alors, Paul, tu vas continuer à faire du game design et tu dois te sentir à la hauteur des défis. Le présent, pour Olivier, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, le présent par rapport à l'Empire des cerisiers, justement, puisque on Ah te là, conseille de te Hugo, t'as pas focaliser sur tiré le de moment carte, présent. hein? Attends, ce sera après, moi je suis Ah modérateur, après. Après, après. Alors, Olivier, bah non, après, après, après. oui! Le Olivier, moment parle-nous. présent, là, à l'heure Ouais, qu'est-ce actuelle, que avec c'est par l'Empire des rapport au. cerisiers? Voilà, c'est ça. C'est quoi le moment présent? Là, c'est l'attente fébrile et de l'impression. Donc, non, je continue à bosser dessus. D'accord. Donc, là, c'est de l'écriture à l'heure actuelle, avec du dessin toujours en parallèle pour les suppléments futurs. Mais vu que ben là, maintenant, il va falloir. C'est en cours de fabrication, déjà pour le livre de base, l'écran. Donc, c'est l'attente fébrile. Là, c'est un peu
comment dire, c'est on attend le bébé, la dernière, toute Patiemment. dernière ligne droite, C'est et c'est l'accouchement. ça en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il y a eu les PDF, il y a déjà une communauté, des gens qui jouent et tout, Oui, qui joue, ouais. mais le bébé là, enfin, c'est un peu l'échographie là pour l'instant. Voilà, c'est maintenant on veut la voir en vrai, le tenir dans les bras, voilà quoi. D'accord. Bon, je te parlerai pas donc d'un futur plus lointain, puisque la carte t'a encouragé à te focaliser sur le présent. Allez, moi je veux bien tirer une carte aussi, alors, pour finir. Vas-y, l'Alex, montre les cartes. Ah. Allez. Alors. Alors, je te dirai stop, hein. Sympa ce festival, hein. C'est bien, hein. Oh, pardon, stop. J'ai fait le malin, je vais le payer, je sens. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vas voir. Yoga, voilà. Yoga. Yoga. T'es trop Bon. agité, Hugo. Mais calme-toi, s'il te plaît. Être au lieu de faire. La valeur d'une personne ne repose pas uniquement sur ses actes. Soyez conscient que votre grande capacité d'action et de réalisation n'est pas tout. Très bonne leçon. Oui, voilà, il faut couper Hugo, oui, tout à fait. Très très bonne leçon. Et je suis un mauvais Jedi en la matière, un mauvais Padawan, puisque je passe ma vie à essayer de faire 10 000 choses à la fois, au lieu peut-être de me contenter d'être moi-même. Donc merci. Les Avec trois plaisir. cartes sont Ouais. super Ouais, bien très juste. jouées Très très bien. et, et très très bien vues. Alors c'est un jeu qui est très efficace et qui est bienfaisant, évidemment. Est-ce que tu l'as fait justement parce que tu considérais que les jeux, l'Alex, n'étaient pas assez peut-être bienfaisants, ou en tout cas n'aidaient pas assez les gens à avancer dans leur parcours de vie, dans leur vie professionnelle ou autre? En fait, je me suis basée sur ce que je rencontre la plupart du temps quand j'accompagne les gens. Et c'était plus facile de faire passer des messages que j'observe souvent, des échanges qu'on a souvent, sous cette forme ludique, en fait. Ça marchait beaucoup mieux. Surtout qu'en plus, ça ramenait les gens à leurs responsabilités, puisque c'est eux qui choisissent la carte. Et donc, c'est finalement eux qui s'apportent un message, plutôt que ça soit moi qui sois en mode je vous conseille ceci ou je vous conseille de penser à cela. Et la dimension ludique, elle est super importante puisque c'est un jeu qui se joue aussi à plusieurs. Et ça crée en fait des discussions entre les gens, notamment en équipe, en entreprise, qui sont extrêmement intéressantes. Et C'est plus du faciles parce serious que c'est game, du hein. jeu. C'est tout à fait du serious game. Oui, c'est aussi Ouais, du carrément. c'est aussi un peu du développement personnel que tu connais très bien par ailleurs, l'Alex aussi. Bah oui, puisque c'est mon métier aussi, en plus. C'est ça. C'est important de le préciser également. Ok, bon, ça va, vous vous sentez bien, on continue, on joue. Ah ben ouais, carrément, hein. Allez, alors attends, je regarde si j'ai des questions. Il y a Méjane qui nous suit. Pouvez-vous arrêter cette table ronde? Elle n'a aucun intérêt. Je suis en colère et je... Non, pardon, c'était pas du tout ça. Non, non. On n'a pas de questions. On n'a pas de questions. Mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il n'y a pas de questions? Bon, allez. Alors, je relance les dés. Question numéro 6. Alors, question numéro 6. Ah. Alors, quelle est la part de hasard dans votre créativité? Quelle est la part de hasard dans votre créativité, puisqu'on sait que dans chaque jeu, il y a une part de hasard, comme on vient de le voir aussi dans Prosperia, parfois le hasard fait bien les choses. Est-ce que vous contrôlez tout? Est-ce que vous êtes en contrôle de vos projets? Le hasard fait Ou souvent bien les choses. est-ce que le hasard fait bien les choses? Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Le hasard, la part du hasard, la part du dé. Y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal de hasard. Ouais. Donc, que ce soit dans le processus créatif, c'est-à-dire que des fois, en fait, j'ai pas prévu où c'est que j'allais aller. Ça s'est passé dans l'Empire des Cerisiers, c'est-à-dire que j'ai écrit, il y a des choses qui m'ont plu, je les ai mis dedans. Sans savoir exactement de suite, au moment où en tout cas je voulais les mettre, c'est l'envie en fait qui a fait le job là. Et ensuite, c'est un peu par hasard que finalement, dans le processus de développement, alors je ne parle pas
à la fin, mais au début, tout ça, j'ai inséré des tas de choses en me disant, mais comment je vais pouvoir faire pour les ramener tous ensemble? Ça me semblait cohérent de les mettre, mais sans avoir forcément la réponse A. Et donc là, c'était un peu du hasard. Et bon, après, finalement, ça a été travaillé. J'ai évacué ce qu'on ne pouvait pas garder éventuellement, ou autre. Mais souvent, dans la part, enfin, moi, dans mon, je me laisse justement cette part pas forcément contrôlée, et de se laisser aller là où ça peut aller, en fait. Même dans le Tout à dessin, en fait. fait. Il y a des erreurs qui arrivent par hasard, et des fois, et souvent, je m'en sers, en fait. Je m'en sers pour rebondir dessus, pour un élément même. Donc voilà, une petite anecdote, c'était mon fils qui avait renversé, tout petit, il voulait m'aider en fait sur une de mes cartes en tradi. Et en fait, il est venu, mais il était vraiment tout petit, il a pris un feutre et puis il est venu colorier ma carte quand j'étais pas là. Et tout fier, il est venu me voir en me disant, papa, regarde, je t'aide à travailler et tout quoi. Et c'était tellement chou que finalement j'ai fait, faut pas le faire ça, mais et en fait j'ai gardé la tâche, le dessin, et je l'ai incorporé à la carte en fait finalement. Génial. Sympa. Voilà. Ça c'est une super super anecdote. Excellent. Et très 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 émouvant parce qu'effectivement, c'est ces petits moments comme ça où les choses t'échappent. En fait, quand on crée, on croit qu'on doit contrôler, puis c'est quand ça nous échappe que finalement, on est peut-être le plus dans la création. Paul, tu as ce genre d'expérience aussi? Le hasard a-t-il bien fait les choses dans ton parcours, dans ton Oui, travail ça, assez souvent, et c'est des choses qui sont assez exaltantes en fait, puisqu'on a une idée en tête et puis on la développe, on essaye de l'affiner, on essaye, quand on fait un jeu, de la cadrer, parce qu'il faut que ça soit cadré dans les jeux. Mais on a toujours une idée qui va en entraîner une autre, une fulgurance qui va arriver, un coup de génie, allez. Non, mais une petite inspiration qui passe comme ça et qui est la bienvenue, qui nous motive à continuer. Et c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure avec le jeu. Moi, je te dis, voilà, j'ai embarqué dans les univers. Il y a peut-être ce moment-là aussi où le jeu est de la partie, où la vie, tout simplement, elle est de la partie et elle t'apporte ces trucs, voilà, qui rendent ton métier plaisant parce que, voilà, il est magique un peu quelque part, ce qui t'apporte ces choses-là qui sont inattendues. Et qui améliore les choses ou qui rajoute un petit quelque chose auquel tu n'avais pas pensé jusqu'à présent, qui enrichissent. C'est très chouette ce que tu dis, et c'est comme je sais que tu es un lecteur de Stephen King, tu as dû lire Écriture, évidemment, de King, dans lequel il parle de son travail d'écriture et il parle du hasard, tu sais. Et alors il dit, donc je le retrouve en toi dans ce que tu dis, il dit exactement ceci, si je cite bien alors la version française, et il dit, la vie n'est pas un système logistique destiné à permettre l'écriture, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'écrire fait partie de la vie, il faut d'abord vivre. Et il explique dans l'écriture, tu sais que tant que son bureau d'écrivain était au centre de l'appartement et dominait tout le reste, il n'avait pas d'inspiration. Et dès qu'il a accepté de laisser la vie s'engouffrer dans son activité d'écriture, il a retrouvé l'énergie. Et c'est ça, finalement, les imprévus plus que le hasard qui nous donnent peut-être le petit sel supplémentaire de la création. Ouais, c'est ça. Tu es en accord avec Stephen King sur ce point. Heureusement, j'aurais été mal sinon. Bon, l'Alex, tu nous as presque déjà répondu avec la panne de courant qui a été le hasard qui a permis la naissance du jeu 14 ans plus tard, une longue gestation. Est-ce que tu as d'autres exemples Oui. du hasard? Ouais, vas-y. Mais c'est vrai que moi, c'est plus sur le dessin et la peinture, du coup, où là, je pars jamais avec une idée préconçue, je fais rarement des crayonnés de préparation. Là, j'ai plus sur l'illustration et la peinture à partir vraiment. Alors, quand j'illustrais des livres pour la jeunesse, là, forcément, il y a le manuscrit qui est là. Donc, ça donne une trame. Mais quand je dessine comme ça, pour le plaisir, pour moi, ou quand je peins, je capte ce qui se passe, je laisse presque ma main. En fait, j'avais dit ça, je crois, à Miss Fiction en 2018. Parfois, quand je suis devant ma feuille blanche, j'ai l'impression qu'en fait, mon crayon, c'est comme si c'était une espèce de gomme qui allait révéler ce qu'il y avait sous le blanc du papier. Et c'est super intéressant. Et souvent, je suis aussi curieuse enfin, que quelqu'un qui regarde pourrait l'être, pour voir ce qui va sortir.
C'est très beau ce que vous dites, hein, parce qu'en Ouais. fait, Une très belle finalement, image. on ne contrôle rien en réalité. Et les plus beaux textes ou les plus belles peintures, les plus beaux jeux, les plus belles situations de jeu sont souvent celles qui ne sont pas du tout prévues et qu'on a laissé venir Oui, tout à sans fait. même s'en rendre compte. Ça ressemble un peu à, je sais pas si ce mot vous est familier, là, ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est en science. Enfin, en science, entre guillemets, c'est pas forcément que en science, mais cette sérendipité, c'est le fait de trouver les choses sans les avoir cherchées. Ou plutôt, en cessant de les chercher, on finit par les trouver. C'est Henri Poincaré qui racontait ça dans un article. Il expliquait que lorsqu'il butait sur un problème scientifique, en fait, le seul moyen d'y arriver, finalement, c'était de renoncer à trouver la solution. Ouais. Et par hasard, par inadvertance, alors qu'il avait abandonné le combat d'une certaine façon, et bien là, sur le marchepied d'un train, d'un wagon, en sortant dans la rue, pouf, l'illumination venait, et on trouvait les choses les plus belles sans forcément les avoir cherchées. On a tous fait cette expérience dans notre vie de nous retrouver dans un endroit merveilleux sans l'avoir cherché, de lire un passage de bouquin alors qu'on s'entendait pas du tout à trouver un passage particulièrement heureux ou subtil, ou d'avoir ce tableau qui naît sous votre plume, sous votre pinceau, sans l'avoir voulu. Alors, on a une question de nos auditrices et de nos auditeurs. Alors, une question d'une redoutable efficacité psychanalytique. Pourquoi créez-vous des jeux? Voilà la question. Pourquoi créez-vous des jeux d'après vous? Alors, c'est redoutable, hein? Je transmets la question, je n'en suis pas le responsable. Pourquoi créez-vous des jeux? Alors, pourquoi ce besoin de créer? Alors, c'est dur ça comme question à répondre en fait finalement. C'est C'est terrible, très hein? dur. Merci Méjeanne, hein? Merci beaucoup, bravo. Non, C'est pas qui est mais derrière. ça semble en fait c'est presque enfin moi il n'y a presque pas de D'explication. raison ouais c'est comme ça en fait. C'est venu comme ça enfin c'est oui, il y a peut-être une raison, c'est le processus même si c'est par hasard finalement justement. Ça a été, c'est un processus logique en fait, dans ma construction personnelle en fait. C'est-à-dire que j'en suis arrivé là maintenant, autant sur le moment ça a été une surprise, autant là maintenant, là en ce moment là justement, dans le présent, c'est logique en fait, c'est évident. Et c'est, enfin voilà, j'ai pas envie C'est d'être ailleurs le quoi. destin. Ouais, non, enfin je crois pas au destin ou tout ça. Enfin pour, enfin moi il y a le hasard entre guillemets des rencontres. Les gens vont façonner, vont mettre, il y a des embranchements qu'on prend ou qu'on prend pas. Mais on est maître de son destin. Enfin moi je suis assez, enfin je suis de cette école-là. On maîtrise pas tout, loin de là. Mais en tout cas on peut être maître de soi-même en tout cas et de ce qu'on fait. Et là en fait non, bah c'est ouais, je pense qu'en fait, inconsciemment, de toute manière, c'était évident. Il fallait à un moment donné que je crée mon jeu de rôle, en fait. Ok. Donc il fallait le pourquoi, c'était le. Alors, en fait, ce que tu dis, c'était que tu étais une forme de déterminisme finalement. Tu étais déterminé à Ouais, arriver à c'est ce ça. Et puis, c'est peut-être aussi pour ça que l'Empire des Cerisiers, il est très personnel comme jeu de rôle. jeu. J'ai d'autres projets là qui le sont peut-être moins, parce que du coup, ça lance. Mais l'Empire des Cerisiers, c'est vraiment quelque chose de personnel, en fait. C'est Tu pas. dirais que c'est le jeu de ta vie, le jeu charnière, le jeu qui est toi le plus. À l'heure actuelle, oui. Demain, peut-être pas. Mais à l'heure actuelle, ouais. Ouais, Très bien. c'est là où je suis, en fait, en ce moment. Ouais, Après, j'ai tout plein d'autres projets, plein de choses, hein, à fait. mais où j'y ai mis du moi à l'intérieur, quoi. Ok, l'Alex ou Paul, à vous. Pourquoi créez-vous des Je jeux? vais peut-être commencer. Donc, j'ai pas mal étudié en fait des écrits théoriques sur les serious games, puisque dans le serious game, en fait, on explique aux créateurs, ceux qui ont commencé à le théoriser, qu'en fait, c'est beaucoup dans l'âme humaine, dans la façon d'être des êtres humains, le jeu a sa place. Le jeu a sa place, puisque bah, les enfants, la première chose qu'ils font dans une cour de récréation, d'où ça ils jouent. Et bah, toute notre vie, on va conserver en nous du jeu. Et en fait, pourquoi on est là tous les quatre, je pense, c'est parce que, ben, au travers de nos expériences, on s'est rendu compte qu'on était capable de créer du jeu. Et en fait, vu qu'on est des joueurs et qu'on est capable de créer des jeux, ben, on en crée. J'ai l'impression,
enfin, pour moi en tout cas me concernant, que ne pas créer. C'est pour ça que je parlais de destin à Olivier. Mais c'est peut-être plus de destin, c'est le, je sais pas, c'est la personnalité intrinsèque de la personne ou quoi. Je pourrais pas ne pas créer de jeu. C'est voilà, je suis joueur. Je suis capable de créer des jeux parce que j'en ai fait, je commence à en avoir fait énormément, et donc ne plus en faire, ça serait juste pas possible. Ok. L'Alex, pourquoi tu crées des jeux? En fait, c'est parce que. Alors, du coup, ce ne sera pas que des jeux. En fait, la créativité, c'est ma raison d'être. C'est mon fameux ikigai, pour ceux qui connaissent le terme japonais. Enfin, je dis ça alors qu'il y a Olivier. Mais Mais c'est vraiment tout le ma monde ne raison connaît d'être pas. Moi, je profonde. connaissais pas, tu Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je suis créatrice sous autant de formes. Peinture, dessin, écriture, jeu. Parce que j'ai besoin de créer, c'est viscéral pour moi, c'est vraiment ma raison d'être. Et le fait de pouvoir le faire sous plein de supports différents, je pense que suivant ce que j'ai envie de créer, je vais dans le support qui me semble le plus adapté pour que je puisse m'amuser, prendre du plaisir, pleinement épanouir ou pleinement voilà, développer ce que j'ai envie de créer à ce moment-là. Donc des fois, ce sera un petit crobar sur une nappe en papier dans un resto, et puis des fois, ça donnera une aventure comme Prosperia. Ou ça donnera des publications d'anthologie. Enfin voilà, suivant là Suivant où ma les. créativité me porte. Très Te juste, très porte. très juste, carrément même. Très beau. Donc ça veut dire, entendez-nous bien, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, la réponse à pourquoi créez-vous, c'est parce que. Parce que. Voilà. Parce qu'on ne pourrait pas créer en fait. On ne pourrait Parce pas ne qu'on ne pas pourrait créer en fait. pas, Ne on ne pas pourrait créer en pas fait. ne pas le faire, c'est ça. Voilà, En fait, c'est. vous n'avez aucun mérite finalement. Non, Vous aucun. êtes conforme à ce que, je sais pas, la vie, le destin, l'univers, les milliards d'atomes qui s'entrecroisent depuis la nuit des temps ont fait de vous, c'est-à-dire des créateurs. Et donc, vous n'avez aucun mérite, chers amis, vous créez parce que vous faites ce que vous êtes censé faire pour amuser aussi tous les Exactement. gens autour de nous. Ok, alors, j'ai encore plein d'autres questions, évidemment, mais je vois qu'il nous reste encore 10 minutes. Ça va, allez, on va en poser encore une. Je relance le dé. Alors, question numéro. Alors c'est bien, je suis jamais retombé sur le même. Bah ouais, un sacré tirage là. Ah ouais, non, non, mais oh, je suis Moi et maître. Olivier qui jouons beaucoup aux figurines, je peux t'assurer que le 1 il tombe souvent. Hein. Je suis maître de Bon, moi jeu, je sais pas pour Olivier. Olivier, mais. Je Je suis suis maître de confiant, jeu. Je je suis sais d'accord comment avec toi tirer les là. dés. Ouais, voilà. Oui, c'est faut que Alors. ça fasse du bruit derrière l'écran, c'est tout. Après, le résultat, c'est très facultatif, c'est ça. C'est vrai qu'on voit, on voit pas sur quoi ça tombe. Eh ouais, bon, mais j'ai l'écran, hein. Il est là, hop là, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Alors, question numéro 4. Alors, alors, c'est une question pour les platistes, hein, mais bon. Sur quelle case aimeriez-vous tomber dans les années qui viennent? Donnez-moi, si on est sur un jeu de plateau, imaginez, vous lancez le dé, vous allez tomber sur une case. Vous voyez, il y a des cases qui disent retour en arrière, il y a des cases qui disent retour à la case départ, il y a des cases qui disent avancer deux, trois cases ou changer de ligne, etc. Alors, imaginez une case et dites-moi sur quelle case vous aimeriez tomber l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Allez, Moi, sur je la vous même laisse. case, là, à l'heure actuelle, là, la même case où on est, mais Ouais. en live, en fait. Voilà, avec les gens, vraiment. Ah oui. Moi, franchement, là, c'est Très bon. là maintenant, c'est celle sur celle-là que je veux tomber, quoi. Rendez-vous l'année prochaine sur la C'est même ça, case, mais c'est ça. sans le Voilà, confinement c'est ça. et sans la distance. Ouais. Avec tout le brouhaha, par exemple, du Festival des Jeux. Carrément. Et ouais. On a eu cette année, hein, t'y étais, hein, au Festival des Jeux, Ouais, Olivier. ouais. Ah, c'était juste avant le confinement, enfin, Ah, on oui, a. C'était à. C'était 2 semaines juste, avant. juste, hein. C'était juste, hein. Et c'était sympa, hein, c'est vrai que le Ouais. fait de ne pas avoir ce sentiment comme ça de foisonnement des personnes autour de soi, c'est un peu difficile, je suis d'accord. Donc la même case, mais avec le live. Ok. Allez, l'Alex ou Paul, sur quelle case aimeriez-vous tomber? Imaginons, qu'est-ce qu'on a comme case? Alors, je vais te répondre le premier truc qui m'est arrivé spontanément. J'ai pensé Monopoly, recevez 20 000 euros. Allez! Très bon. Très bon. Très bon. Mais Voilà. n'empêche que ça compte.
Voilà, c'est la première idée qui m'est passée par la tête, donc je vais rester là-dessus. Mais elle est Ça compliquée, ta compte. question. Elle est compliquée, hein, t'as vu? C'est une question un peu spéciale. Mais non, mais alors 20 000 euros, alors c'est intéressant quand même ce que tu dis. Parce que non, non, mais c'est important parce que je disais au tout début de Nice Fiction, là, dans ma conférence, je parlais des enjeux économiques de l'exploration spatiale dans l'imaginaire, etc. Mais c'est vrai que, alors 20 000 euros, c'est bon, c'est vrai que ce serait super, on veut tous 20 000 euros. Mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, malgré tout, dans votre parcours? Le côté matériel finalement, le côté avoir les moyens de continuer à faire des jeux, avoir les moyens financiers de peut-être, on rêve tous de ça, je pense, de vivre de sa passion du jeu, de vivre de sa création. Et est-ce qu'il y a parfois des moments où vous êtes un petit peu, vous vous dites, bon, voilà, la rentabilité, c'est vrai que c'est un mot dégueulasse, hein, c'est pas un mot qu'on aime prononcer lorsqu'on est passionné, mais est-ce que cet aspect économique ne compte pas finalement? Est-ce que, par exemple, Bien toi, sûr. l'Alex, dans le travail sur Feuilles de velours et dans la promotion de tes jeux, ça compte quand même la réussite économique aussi, malheureusement. Ou heureusement. Alors oui, ça compte évidemment parce que comme tout le monde, faut bien payer ses factures, manger. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant diversifié mon activité et que j'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Je dis souvent, en fait, c'est même plus avoir plusieurs cordes à son arc, c'est que là j'ai carrément une lyre ou une harpe à force. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je fonctionne en diversifiant autant et que bah, dans mon parcours, il y a eu des moments où j'étais pleinement artiste et puis bah, des moments où j'ai été employée en entreprise parce que bah, il fallait rééquilibrer la situation. C'est vrai que Eh c'est compliqué de pouvoir vivre pleinement. Alors, et en plus, j'ai eu la chance de vivre en tant qu'illustratrice, d'en vivre pendant plusieurs années, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais c'est un facteur qui est important, mais c'est pas, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu comme un facteur freinant, parce que je continue à être un peu tête brûlée et aller là où mes envies me portent. Et j'ai surtout une très bonne étoile au-dessus de ma tête, et j'ai souvent eu beaucoup de chance. Et ça aide. Bon. Et ça aide, ouais. Et avant de demander à Paul, je repasse par la case d'Olivier. Olivier, cet aspect alors économique de la Bah moi, création. c'est mon métier à plein temps en fait. Donc Bien sûr. c'est un aspect très matérialiste. C'est pas celui que je préfère à gérer, mais c'est incontournable et c'est obligatoire en fait. Donc voilà, pour un tas de raisons, hein. Après moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, d'avoir une femme, une épouse formidable, hein, qui m'a soutenu et qui m'a permis de passer un ensemble de caps avant d'en arriver là où je suis. Et sans elle, probablement, je serais pas là. En tant qu'illustrateur, cartographe, créateur, à pouvoir le faire en tout cas. Mais en effet, c'est essentiel quand c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est pas juste une passion. Alors la passion, elle est essentielle parce que c'est le type de métier que s'il n'y a pas la passion, vaut mieux faire autre chose. Parce que clairement, voilà quoi. Mais par contre, c'est un vrai métier avec toutes les contraintes aussi d'un métier. Et oui, c'est, tu sais, moi, je mettrais le parallèle puisque tu es rôliste et on parle beaucoup de jeux de rôle et vous avez tous confessé à aimer le jeu de rôle. C'est, tu sais, dans ta feuille de personnage, tu as des compétences, tu as des attributs, tu as un profil, tu as une classe de personnage. Hein, je fais du Donjons et Dragons, hein, classique. Et puis en bas, tu as une petite case en bas à gauche qui s'appelle équipement. Équipement, ouais. Et ben, l'air de rien, l'équipement, ça compte, quoi, parce que Et si oui. t'as pas l'équipement, et ben, à un moment donné dans l'aventure, tu te retrouves un peu embêté sans équipement, pas de corde pour descendre une falaise, pas de chandelle pour allumer une lumière dans la nuit, etc. Et tout ça, ben, il faut des sous aussi, donc ça compte aussi. Il faut pas le prendre de haut, effectivement. Et donc Non, non, puis c'est même important parce que c'est ce qui c'est un fait qu'au final, là on va parler d'un truc très terre à terre, mais ouais. le produit fini, s'il a une qualité professionnelle, c'est parce qu'il y a des professionnels qui travaillent Bien dessus. sûr, bien sûr. Il y a des produits bénévoles qui sont merveilleux, mais finalement, au bout d'un moment, il faut mettre un minimum de moyens et je pense que donc ça fait partie aussi comment dire, de la réussite d'un projet aussi. Bien sûr. Et puis la nouvelle méthode de financement qu'on voit maintenant se mettre en place, les Kickstarters.
ou les Ulule, les compagnes Ulule, et l'Alex sait de quoi il s'agit, et Olivier aussi, et même moi, dans mon parcours, on se rend compte à quel point il faut fédérer des moyens et il faut la confiance pour pouvoir arriver à des résultats à la hauteur de nos rêves et de nos passions. Un vrai produit fini, professionnel et de qualité. C'est Absolument. obligatoire. Absolument. Ouais, Ouais, tout à fait. il faut le prendre en compte aussi. C'est, pour moi, c'est l'équivalent du plateau de jeu. C'est-à-dire, si on est platiste, hein, on peut pas jouer s'il y a pas le plateau pour nous supporter, pour nous soutenir. Paul, t'as pas répondu. Alors, si tu tombais sur une case dans le futur, quelle serait la case sur laquelle tu voudrais tomber? Alors, le prenez pas mal, hein. J'aurais dit passer mon tour, mais juste pour prendre un peu de vacances, me reposer ou quelque chose comme ça. Je fais un travail assez fatigant en ce moment et j'ai plein d'autres projets que je voudrais développer à côté. Donc, passer mon tour quelques semaines à moi, ça serait cool. Mais les 20 000 euros seraient bien utiles aussi, Les 20 000 l'un euros, ou l'autre. bon. En tout cas, C'était pour pas dire la même case, quoi. alors, je vous avais quand même tendu. Je vous avais quand même tendu cette perche aussi parce qu'il y a une autre case qui évidemment m'amène à vous poser la dernière question dans le temps qui nous est imparti. C'est la case retour à la case départ. Alors cette case retour à la case départ, en général, elle est pas très sympathique, surtout si on joue au jeu de loi par exemple parce qu'il faut tout recommencer. Mais vous savez qu'ici on est dans le festival d'Isfiction 2.0 reboot. Alors le rebootage, c'est revenir au départ. Est-ce que revenir au départ, c'est quelque chose qui peut être positif ou qui est forcément négatif. Est-ce que vous seriez prêt, chacun de vous, à un moment donné, à tout remettre en cause et à revenir au point de départ pour faire quoi? Tu te remets en cause, enfin, c'est revenir à un point de départ, parce qu'au point de départ, À c'est pas un possible, embranchement, tout à en fait. fait, finalement, et se remettre en cause, je pense qu'en tant que créatif, l'Alex, Paul seront d'accord avec moi, c'est continuel en permanence et on remet en cause notre travail, c'est nécessaire en fait, pour avancer en fait, tout simplement. Donc, chaque projet, c'est un reboot en fait. Un reboot de soi, enfin un reboot entre guillemets, hein, c'est-à-dire un reboot avec tout ce qu'on a accumulé d'avant en fait. Hein. Alors après, je ne parle pas de l'échec, ben, l'échec ça fait progresser aussi. Hein. Il peut y avoir des échecs très durs et finalement on abandonne, mais ça c'est autre chose. Ben, un reboot, c'est on n'a pas abandonné. C'est voilà. Donc là, non, non, je pense que c'est à chaque nouveau projet, c'est une sorte de reboot en fait. Tout à fait. Ouais. Vous êtes d'accord, Paul et l'Alex? Pour moi, c'est une question Complètement. compliquée parce qu'en fait, je sais pas. Tu veux parler d'abord? Vas-y, vas-y, Bon. vas-y. Pour moi, je trouve que c'est une question compliquée parce que j'ai plutôt tendance à être satisfait de ce que je fais, avoir toujours plein de projets que j'aimerais développer et tout ça. Et donc, à part éventuellement une avance rapide pour pouvoir passer au projet suivant, mais même c'est plaisant, voilà, d'être dans les projets dans lesquels je suis. Donc, ça m'évoque pas grand-chose. Voilà, quand le sujet est tombé, ça m'a pas du tout évoqué d'écrire dessus. C'est pour ça que j'ai rien fait Sur sur le ce reboot. projet-là. Mais c'est quelque chose qui me parle pas trop, en fait. Je suis assez content du parcours que j'ai, de là où j'en suis aujourd'hui, des projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Et donc, j'ai pas forcément ni de regrets, ni d'attente de plus, à part, voilà, un mois, ça serait largement suffisant. OK. Pour reprendre un peu d'efforts et continuer pour s'y lancer, quoi. OK. L'Alex, tu as déjà quasiment répondu, mais tu veux ajouter quelque chose? Oui. En fait, moi, j'adore démarrer des projets, j'adore démarrer des choses, hein, ce qui fait que, du coup, recommencer à zéro, c'est pas un problème pour moi. En plus, je suis à prôner, au niveau professionnel, à expliquer aux gens que pour moi, l'échec n'existe pas, c'est juste une expérience et elle permet de rebâtir mieux, différemment, avec un bagage qui nous a enrichis. Donc les deux combinés fait que du coup pour moi c'est revenir. En fait j'y avais un peu pensé à retour à la case départ et chercher le nom de la case de Monopoly où c'est le démarrage en fait le c'est je sais plus c'est bah, de toute façon Ça enfin doit être voilà des quoi départs, des départs, ça départ doit être. départ Début d'un jeu. Oui c'est ça départ. Moi j'aime bien les départs, j'aime bien ça. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne envie. Donc Et même si c'est pour refaire quelque chose de semblable, enfin repartir à zéro un même projet,
Quand je vois toutes les versions qu'il y a eu des différents projets, que ce soit en écriture ou en jeu, c'est pas un souci, heureusement. Ok, alors on va maintenant vous poser une dernière question et je me tourne vers l'organisation. On a encore du temps. C'est bon, on a encore du temps, vous n'êtes pas épuisé. Non, Les ça va. questions ne sont pas non plus innombrables, donc je vais en poser une moi. Quelles sont, tout simplement, c'est la question un peu rituelle, hein, c'est évidemment le rituel. J'abandonne le dé, mais enfin, je suis quand même content de l'avoir eu. Quels sont vos projets maintenant? Qu'est-ce qui va arriver dans votre activité artistique et de créativité? Qu'est-ce qui arrive après l'Empire des Cerisiers? Qu'est-ce qui arrive après Prosperia et Nicolas Flamel? Qu'est-ce qui arrive après Sandrine et les jeux que tu as développés? Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est prévu? Allons-y. Allez, qui se Allez, lance? qui se lance? L'Alex? Allez, l'Alex. Allez, l'Alex. Alors, Nicolas Flamel et Prosperia, c'est acté. Prosperia, Alors, on a joué. Prosperia, Qu'est-ce c'est qui vient fait. après? L'école de Nicolas Flamel sort en octobre. Donc mon fameux jeu, enfin, inventé il y a 14 ans et développé depuis, sort en octobre. Donc quelque part, c'est un peu déjà demain. Mais je suis surtout en train d'en développer un nouveau, SF cette fois, parce que la science-fiction reste quand même mon terrain de jeu favori. Donc en jeu, voilà, il y en a un qui est en cours, le proto est en train d'être testé, et le même éditeur que Nicolas Flamel est intéressé, donc ce qui ne gâche rien. En écriture, je m'arrêterai jamais d'écrire des nouvelles, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de projet à long terme, à part le jeu en cours. C'est plus l'opportunité qui fait bah, le match d'écriture hier matin qui m'a donné envie d'écrire. Voilà, une idée de tableau comme ça qui germe dans la tête. Je fonctionne beaucoup avec les appels à texte parce que souvent c'est ça qui me donne l'impulsion. Donc en fait, quand j'ai une muse qui passe, parce que j'aime beaucoup l'image de. Il y a un bouquin que je trouve génial qui s'appelle Comme par magie d'Elisabeth Gibert. Et elle dit en fait, on n'a pas une muse, on a plein de muses. Elle vient nous toquer sur l'épaule. Et à ce moment-là, on peut s'en saisir et faire des choses grâce à elle. Mais si on met trop de temps, elle s'en va et elle va aller voir un autre créateur. Et puis bah, moi, c'est un peu ça. Je fonctionne au fur et à mesure des muses que je croise. Tu les saisis au vol, hein, et tu les laisses pas s'échapper hors de la pièce ou hors voilà hors de tes projets. D'accord. Okay. Très très bien. Alors Paul, hein, quel est Alors, donc, le... moi, tu parlais de Sandrine. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il va être réédité puisque il a plu à un comité de lecture et une maison d'édition, M Plus Édition sur Paris. Donc, il va ressortir au mois d'août. Donc, ça, c'est toujours sympa d'avoir un texte qui est retenu et qui a plu. Après, donc, j'ai mon copain Raphaël Crouza qui a monté sa maison d'édition sur Nice, qui a déjà sorti six ouvrages, donc c'est Ognios Édition, qui se développe petit à petit. Et donc je vais laisser deux textes qui lui ont plu, et donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on les verra peut-être l'année prochaine, on verra. Il n'y a pas de date pour l'instant, ça lui a plu, donc c'est déjà bien. Et après, bah, je travaille sur d'autres projets de mon côté, puisque je continue à proposer des ouvrages qui étaient chez un éditeur numérique qui a été obligé de fermer. Je travaille toi aussi sur un jeu en parallèle. Ça, c'est mon frère qui m'avait dit, écoute, j'ai adoré ton roman, il faudrait qu'on essaye de trouver des gens qui le transforment en jeu et qui fassent ça. Et donc, il faut qu'on monte Adaptation. un projet, voilà, une adaptation en jeu. Donc, je continue vraiment à faire roman et jeu très, 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 très liés, mais mélangés dans les mêmes médias. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est mon destin. Ok. On a beaucoup parlé de destin ce soir, hein, pour un truc C'est moi, c'est moi qui à était chaque fois. censé être léger et drôle et jouer simplement. Alors, Olivier. Olivier, qu'est-ce qui vient après l'île des cerisiers? Enfin, l'île, pardon, lapsus. Après l'empire des L'Empire. cerisiers. Il y a plein de choses en fait. Alors en créa, alors déjà, ben, que ce soit en illustration ou en cartographie, il y a pas mal de projets toujours avec Arcane Asylum Publishing, donc sur différentes gammes. Hein. Là, je travaille sur Gods notamment, qui est un jeu de Bastien Lecouffe-Déarmes et Julien Blondel. Je travaille sur d'autres. Il y a d'autres choses que soit j'ai bouclées qui devraient sortir, ou
que sur lesquels je vais travailler, que je ne peux pas forcément parler, malheureusement. Sinon, normalement, c'est pas normalement, c'est je remets le couvert avec Maxime Chatham. Donc, voilà, pour un de ses prochains romans. C'est des couvertures de romans. Pour la carte, une carte, j'en parle pas plus. D'accord, une carte. La carte du cadre du roman dans lequel va se dérouler le roman, l'intrigue. Voilà, donc en littérature, ouais, je fais faire des petites incursions. Il y a aussi avec un autre auteur, je lui laisse, comme disait la primeur de l'annonce, éventuellement, je ne vais pas lui griller la politesse. Donc voilà. Sinon, après, en jeu de rôle, il y a plein. Je travaille toujours avec Chaosium et sur RunQuest et Call of Cthulhu. Mm-hmm. Donc là, il y a des sorties qui sont. Alors, je ne sais pas forcément sur quel. Voilà, moi, je travaille, j'ai des commandes qui arrivent. Je ne sais pas forcément c'est quel supplément, des fois. Qui va sortir, etc., où va être mon travail. Mais là, apparemment, je crois que c'est Johnstone. Le prochain, c'est une campagne de Lynn Hardy. Alors, c'est Children of Fear. Ça se passe en Asie pour Call of Cthulhu. Donc voilà, notamment sur le plateau du Tibet, etc. Enfin, voilà. Et sinon, après, j'ai des projets pro, donc perso, je veux dire. Donc, je continue à développer l'Empire des Cerisiers. Ouais. Je tripe dans mon coin et on joue aussi un petit peu à une version space up, space fantasy de l'Empire des Cerisiers aussi. Ah oui. Donc là, c'est un délire perso en fait qui est parti comme ça. Ça fait un moment que j'avais envie de faire d'envoyer des pagodes et des samouraïs et dans l'espace. Ah, j'ai vu passer une de tes illustrations qui étaient très belles de vaisseaux volants. Ouais. Voilà, donc du coup, en fait, c'est plus un trip perso qui probablement aura une finalité, que ce soit un petit spin-off, un petit supplément. En tout cas, j'en ferai quelque chose. Sinon, je travaille sur des modules aussi qui mixent cartographie et cadre écrit avec un petit peu de technique, probablement sur le SRD de Donjons et Dragons, en fait, 5e édition, qui sera pour fournir en fait du matos un peu générique. Au MJ, je sais pas, pour ceux qui me suivent, ils ont peut-être vu passer l'île du crâne sur mon Facebook, Twitter ou un port. Enfin, il y aura de la cartographie, des plans, fournir du matos. Et sinon, j'ai un petit délire qui m'est passé dans la tête pendant le confinement. J'ai appelé mon cousin qui serait peut-être dans la même idée de l'Empire des Cerisiers, c'est-à-dire à partir d'une matière folklore, culture, mais cette fois-ci locale, c'est-à-dire de mon pays mentonné, de faire un l'Empire petit cadre des de Citrons, non ? C'est ça. Et de prendre un cadre de jeu, de le fantaisier, en fait, entre guillemets, donc d'en faire un univers fictif, mais basé sur le cadre géographique, culturel, folklorique, des mythes et légendes locales, en fait. Les petits villages et tout du pays mentonné, et on va peut-être pousser peut-être jusqu'à Nice, on verra. Voilà, ça serait vraiment, c'est vraiment un petit délire. Ça c'est chouette aussi. Très très perso, familial même, j'ai envie de dire, où on se remémorera, parce que ça sera aussi l'occasion de me remémorer justement mes fameux jeux où on se perdait dans la forêt et on jouait un retour aux sources en fait, nos souvenirs d'enfance, nos légendes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est les projets. Il y en a, il y a plein d'autres projets en tout genre. Voilà. Il y a beaucoup de choses dont on aurait pu parler. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais de retrouver comme ça cette magie, de ce plaisir de jeu de l'enfance dans les lieux dans lesquels on a grandi aussi, hein, de retrouver ça. C'est un peu de remettre. C'est un peu un. Mon aire de jeu, ma zone de jeu de mon enfance, en fait, en faire un cadre de jeu. Voilà. Et de revivre des aventures, pas forcément où jouer des enfants, mais revivre ces aventures dans cet univers de mon enfance, en fait. Absolument. Ouais, ouais. Et l'Alex aussi, et Paul, toujours un dernier petit mot sur cette redécouverte incessante de l'enfance, peut-être à travers la création. Je sais pas. Non, je dis ça parce que ça m'évoque beaucoup de choses à moi aussi, mais je suis pas là du tout pour parler de moi. Allez, on va s'arrêter. Idée. Alors derrière moi, ce que vous ne voyez Hugo, pas, mais tu travailles sur quoi, toi ? Regardez. Alors tu travailles sur quoi, Hugo ? Non. Regardez, derrière moi, vous avez des gens qui travaillent et qui s'amusent en fait, parce que
ils ne travaillent pas, ils s'amusent. Hein? Et donc, ils sont là, Nice-Fiction, vous les voyez. Et comme c'est l'une des dernières tables rondes, on vous les montre. Ouais, Voilà, ils ont fait un beau boulot, hein. Merci à voilà. eux. Bravo. Et merci. Allez, les amis, on va rendre l'antenne. Il y avait une dernière question quand même qui était posée par Méjeanne, hein, sur le doc, le Google Doc partagé. Et donc, je vous la pose. Quand est-ce qu'on va boire un coup? Eh ben maintenant. Voilà. Ben, sauf qu'on n'a pas le droit, donc on va le boire en virtuel. On Ouais, a mais gardé la distance. j'espère incessamment sous peu, dès que les conditions seront optimales, qu'on se fera tous un petit quelque chose bien sympa Absolument. pour prendre Ouais. du plaisir ensemble. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci à tous les trois. Et puis rendez-vous sur la case Nice-Fiction l'année prochaine, sans distanciation. Carrément, Ouais, avec carrément. plaisir. De gros Merci bisous à beaucoup pour tous. l'invitation. On est toujours bien Bye. ensemble. Merci. Ciao. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Bisous. Belle soirée. Bisous. Ciao, vous aussi. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.